Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois à l'oracle du petit Lenormand. Je m'appelle Alexandre Mosfak et c'est un plaisir pour moi chaque dimanche de vous retrouver pour partager avec vous ma passion et aussi mes connaissances du petit Lenormand. Je tiens à remercier tous mes amis francophones qui m'ont écrit beaucoup beaucoup de messages et aussi qui ont pris le temps de regarder la vidéo de la semaine dernière et aussi commander le tout nouveau jeu, le petit Lenormand néophyte. Donc ce jeu est un jeu qui est exclusivement en français, qui est dédié aux débutants. Et sur chaque carte, vous verrez qu'il y a le symbole de la carte à jouer, le titre de la carte, ainsi que les mots-clés, un poème qui décrit la carte et son utilité, mais aussi des informations qui sont relatives au temps. Ce jeu permettra à tous ceux qui désirent apprendre la méthode du petit Lenormand, beaucoup plus facile à comprendre, mais aussi à assimiler, et vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours et dans tous vos tirages. Cette semaine, nous allons discuter des groupements de cartes. Dans le jeu du petit Lenormand, vous allez voir que beaucoup de cartes partagent la même essence, aussi dont les mêmes mots-clés. Comme par exemple, si vous voyez la lettre ainsi que les oiseaux ou le cavalier, vous savez qu'il y a des nouvelles qui sont en cours. Donc, quand vous faites un tirage, voyez si une ou plusieurs de ces cartes sont présentes. Et cela vous aidera à orienter votre tirage. Par exemple, si je fais un tirage général et que j'ai le bouquet, le cœur, l'anneau et la lune, je sais que mon tirage sera plus orienté vers l'amour, vers les relations humaines et vers les confidences. Si par exemple j'ai le trèfle, le soleil, la clé et les poissons, je sais qu'on va parler d'un état financier, d'une abondance, d'une chance ou d'une prospérité. Dans le cas où j'ai le vaisseau, la foule, l'enfant et la cigogne, je sais qu'il y a un changement imminent qui se prépare à l'horizon. Et les cartes qui seront autour pourront me dire, pourront préciser vers où ce changement va m'emmener et surtout dans quel secteur de vie elle va être affectée. Il faut comprendre qu'avec l'oracle du petit Lenormand, ce n'est pas comme le tarot où on analyse le tirage carte par carte. Quand on commence un tirage du petit Lenormand, la première chose à faire est de regarder l'apparence globale du tirage. Est-ce que j'ai plus de cartes négatives que de positives? Est-ce que j'ai plus de cartes d'un certain groupe que d'un autre? Et ainsi de suite. Donc, il faut déjà commencer par regarder globalement l'émotion ou le feeling que les cartes vous donnent. Et après, on va décortiquer pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de détails. En observant simplement ces deux aspects des cartes, c'est-à-dire le groupement et voir l'orientation sur les positives, négatives et neutres, vous donne déjà beaucoup d'informations pour pouvoir commencer votre interprétation. En grosso modo, quand vous abattez vos cartes, vous pouvez d'emblée savoir si les choses vont se passer bien ou sinon il y aura des difficultés. Alors cette semaine, pratiquez le plus que vous pouvez. Faites des tirages pour vous, pour vos amis. Faites des tirages aussi sur les événements du quotidien, comme l'issue d'un match de football, ou sinon devinez le sexe du bébé à venir de votre meilleure copine ou de votre collègue. Pratiquez le plus. Le plus que vous pratiquez avec vos cartes, le plus elle va se greffer à vous et vous pourrez mieux comprendre leur signification et leur travail. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour encore plus de vidéos en français.